Active depuis quelques années, Tenen Diawara est l'une des artistes de la musique mandingue dont la voix porte sur la scène musicale guinéenne. Reconnue pour ses titres qui dépeignent la société, elle tient surtout en haleine les mélomanes sur des cadences dansantes. C'est donc pour honorer cette étoile montante de la musique que les membres de la structure Vision Préfecture Banyan lui ont décerné ce satisfait-ci. Donc nous, jeunesse de Banyan, nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce travail colossal que l'artiste est en train de faire. Non seulement aujourd'hui, elle est en train de satisfaire musicalement tous les Guinéens, mais nous, les fils de Banyan, sommes les plus touchés. Pourquoi? Parce que c'est l'un de nous qui est en train de faire aujourd'hui participer au développement culturel de notre pays. Accompagné de sa structure managériale, Tenen Diawara a mobilisé du monde. Elle a reçu le satisfait-ci des mains du député Mohamed Lamine Kaba, parrain de la cérémonie. C'est un honneur pour nous, un honneur particulier de rendre hommage, de flatter, d'exalter ce que notre sœur Tenen Diawara est en train de faire pour notre sous-préfecture Banyan. Celle de Tenen Diawara, elle est une fierté nationale, elle est une fierté de notre communauté. Le service qu'elle est en train de rendre à la communauté est immense. Je voudrais vous dire qu'elle est en train de promouvoir notre culture, de faire connaître notre culture au-delà de la frontière de Kouranko, au-delà de la frontière de la sous-préfecture de Banyan et de Farana. Sur ce, nous avons jugé nécessaire de rendre hommage à cette grande personnalité et de lui souhaiter une très bonne chance. La conceptrice du titre, Mfatara, promet de redoubler d'efforts pour continuer à briller, mais aussi à faire connaître sa sous-préfecture natale Banyan, dont elle se réclame être la reine.